réveillon aussi tardif, un soir de réveillon. Oui, ça c'est curieux, oui. Oui, bah, ne reste pas planté là. Va voir, c'est peut-être quelqu'un. Ah, bah, c'est sûrement quelqu'un. La sonnette n'a jamais fonctionné encore toute seule. Oh. Oui, j'arrive. Ah, c'est vous, madame. Entrez. Bonsoir, monsieur Proulx. Qui c'est? C'est le plombier. Mais que veut-il à cette heure? Ah non, c'est madame Bignol, la concierge, voyons. Oh, entrez, madame Bignol. Que veut pour votre visite? Bonsoir, messieurs, dames. Oui, c'est ça, bonsoir. Bon, eh bien, voilà, excusez-moi de vous demander pardon, mais à la même période, eh bien, j'ai eu beau attendre et puis j'ai rien vu venir. Alors cette fois-ci, moi j'ai décidé d'anticiper les choses. Ah oui, et anticipez quoi, madame Bignol? Vous savez, il est dans la coutume au moment des fêtes. Que les locataires, en remerciement des services rendus... Comment est-ce que je pourrais vous expliquer ça? Enfin, vous savez bien, monsieur Proulx. Ben, à vrai dire, je ne comprends pas vraiment, mais peut-être que mon épouse... Hein? Nicole, peux-tu... Je t'en foutrai de Nicole, moi. Bonsoir, ma Bignole. C'est pourquoi je me prends le plaisir. Ben, vous savez très bien que... qu'il faut peut-être... Non, ben... Oui, non, excusez-moi, c'est pas le moment. Vous êtes en famille, alors... Ah, vous êtes venu chercher quoi? Ben, oui. Vous êtes venu chercher quoi? Oui, ben écoutez, moi, je veux pas vous déranger parce que vous êtes en famille, alors... Oui, ça va pas, non. Mais restez là, madame Bignol. Qu'avez-vous dit à mon mari, s'il vous plaît? Je veux entendre. Je dis bien qu'il y a certains services rendus qui se monnaient. Ah, oui, c'est ça. Eh ben alors, à ce moment-là, vous avez fait, vous pouvez repartir et vous reviendrez quand la crise sera passée. Ben écoutez, faudrait pas que la crise s'éternue, hein. Mais dites donc, madame Bignol, ce n'est pas moi qui tiens les ficelles. Nous sommes en déflation, ne le savez-vous pas? Oh, ben moi, j'y comprends pas grand-chose à tout ça. L'inflation, la déflation, c'est de l'hébreu. Mais tout ce que je sais, madame Proulx, c'est qu'il y a certains services qui se monnaient. Eh ben c'est ça. Vous reviendrez quand l'indice du CAC 40 aura retrouvé l'indice normal. Enfin, madame Bignol, et bon ami. Oui, bon, ça va. Oui. Ben, je n'insiste pas, mais je vais quand même vous dire bonne soirée, messieurs, dames.